Hey, salut! La famille Sonos vient de s'agrandir avec une toute nouvelle gamme de haut-parleurs, la gamme Era. Donc, on a ici les Era 100 et les Era 300. J'ai lu quelques commentaires, j'ai regardé quelques trucs, il y a des gens qui m'en ont parlé. La plupart des gens ont l'air super excités avec les Era 300 parce que c'est des haut-parleurs Dolby Atmos. Je vais pas casser ta bulle, mais j'ai jamais compris c'était quoi le trip du Dolby Atmos. C'est bien, c'est une avancée technologique et le Dolby Atmos, c'est une technologie qui, lorsque tu écoutes les médias compatible, c'est-à-dire de la musique qui a été rehaussée à Dolby Atmos ou des films qui sont enregistrés en Dolby Atmos, ça va te donner l'impression d'avoir du son partout autour de la tête. Donc, il y a des haut-parleurs en avant, il y a des haut-parleurs sur le dessus qui vont faire des réflexions au plafond et qui vont faire justement en sorte que tu devrais avoir du son un peu partout dans ta pièce. Et quand je dis que je comprends pas le trip d'avoir un haut-parleur qui va imiter ce genre d'affaires-là, c'est que dans ma tête, selon mon expérience, si tu veux avoir du son partout autour de la tête, mets plus de haut-parleurs dans ta pièce. Donc, par exemple, je l'ai testé, je trouve que deux Era 100 à deux endroits différents dans la pièce, ça joue mieux qu'un Era 300 qui est censé te donner cette impression-là. Et le Era 100 n'est pas un haut-parleur Dolby Atmos. Donc, voilà ce que je pense du Dolby Atmos. Maintenant, par rapport au nouveau parleur, je suis pas tant excité. Il y a des trucs qui sont bien, il y a des trucs qui sont moins bien. Je t'explique, je me suis fait une feuille de notes. J'ai pris, ça fait quelques jours que je les teste, donc j'ai pris en note qu'est-ce que j'aime moins et ce que j'aime bien. Le premier truc que j'aime pas, c'est qu'ils ont enlevé le Sonos Net. Qu'est-ce que c'est que le Sonos Net? C'est que en fait, c'est pas les premiers haut-parleurs sur lesquels ils ont enlevé ça. Ils ont commencé à enlever ça sur le Sonos Move, qui est un haut-parleur portable. Et ils ont aussi enlevé ça sur le Sonos Roam, qui est un autre haut-parleur portable. Ça, c'est le premier haut-parleur sur lequel ils l'ont enlevé. Donc, en gros, c'est qu'ils font ça sur tous les haut-parleurs qui ont une antenne Bluetooth. Donc, ah oui, ils sont Bluetooth. On va y revenir. Mais le Sonos Net, c'est que... Ah ben non, lui non plus, il n'y en a pas. Si on prend, par exemple, un Sonos One, à l'arrière, tu as un connecteur réseau. Connecteur RJ45. Connecteur Ethernet, appelle ça comme tu veux. Quand tu branches ton haut-parleur sur ton réseau, Sonos crée son propre réseau Wi-Fi, si tu veux. C'est pas vraiment du Wi-Fi, mais c'est sur les mêmes fréquences. C'est sur la fréquence 2.4 GHz. Et ce que ça permet de faire, c'est que ça fait en sorte que tous les haut-parleurs Sonos vont se connecter sur ce haut-parleur-là plutôt que sur ton routeur. Et ça fonctionne sous un système de mesh. Ça veut dire que si tu as d'autres haut-parleurs qui sont super loin dans ta maison, ben ils vont communiquer d'un haut-parleur à l'autre jusqu'au haut-parleur principal. Et c'est quelque chose qui fonctionne super, mais super bien. Le nombre de problèmes que j'ai réglés chez des clients, parce que oui, j'ai installé des haut-parleurs Sonos pendant des années, et j'ai toujours dit que si tu veux un système Sonos, assure-toi d'avoir toujours un haut-parleur de brancher physiquement pour créer ce fameux réseau SonosNet. Ça fait en sorte que ton réseau n'a pas besoin de se connecter sur ton routeur. Ça fonctionne réellement bien et j'ai réglé un paquet de problèmes avec ça. Donc là, qui enlève ça? Pas certain. Et c'est drôle, hein, mais depuis que j'ai ajouté ces quatre haut-parleurs-là sur mon réseau, j'ai eu plus de problèmes avec mon kit Sonos. Pas des coupures, mais des problèmes de jumelage, plus de difficultés à repartir de la musique. Et c'est drôle, quand je les enlève du groupe, ces quatre-là, et que je repars ma musique sur mes bons vieux haut-parleurs Sonos, ça fonctionne tout de suite. Après ça, je peux les regrouper. Donc, ça, c'est un point qui me fatigue un peu beaucoup, le fait que on peut seulement les connecter sur le réseau Wi-Fi. Le deuxième point, c'est que si on vient à l'arrière,
Non seulement ils ont enlevé le Sonos Net, mais ils ont aussi enlevé le connecteur réseau. Et dans le cas d'un plus gros haut-parleur, comme le Era 300, ah ben si on va par exemple le comparer à un Sonos 5, ben tu vois, à l'arrière, on avait un connecteur réseau et un connecteur 3.5 mm pour brancher un appareil tierce. Donc, n'importe quel appareil qui peut se connecter par le biais d'un fil 3.5 mm. Donc ça, ça a été enlevé sur ces haut-parleurs-là pour le remplacer par un port USB. Et c'est pas tous les appareils Sonos qui ont une entrée 3.5 mm. Par exemple, le Sonos One n'en a pas. C'est pas quelque chose que la plupart des gens utilisent, mais c'est quand même bien à avoir si tu as quelque chose à connecter. Bon, là, je me suis dit, ah, un connecteur USB, ça peut être intéressant. Est-ce que je peux brancher ça? Il y a quelque chose que je rêve de faire depuis super longtemps avec un haut-parleur Sonos, et c'est de le brancher sur mon ordinateur pour utiliser Sonos comme haut-parleur d'ordinateur. Et c'est pas possible. Ça fonctionne pas. J'ai branché mon ordinateur dessus et il est pas reconnu. Ça fait juste rien. Donc, ce connecteur USB-là sert à acheter des dongles vendus séparément pour retrouver le connecteur Ethernet ou un connecteur 3.5 mm. Ou il y a un adapteur qui fait les deux en même temps. Je t'ai laissé des liens dans la description si tu veux voir de quoi il s'agit ou en commander si jamais t'en as besoin. Mais je trouve ça quand même un peu dommage qu'il ait enlevé des trucs qu'il y avait déjà sur tous les haut-parleurs pour remplacer ça par la fameuse mode à la Apple de l'adapteur. L'autre truc que j'ai moins aimé, c'est que je suis un utilisateur de Google Home. Et bon, c'est probablement pas leur faute, parce qu'ils sont en chicane avec Google. Mais Google Home est pas disponible dans ces nouveaux haut-parleurs-là. Il y a seulement Alexa qui est disponible. Donc, je pensais remplacer le haut-parleur que j'ai dans mon bureau, qui est une Sonos Arc, qui était anciennement installée dans mon cinéma, que j'ai transformé comme haut-parleur de bureau simplement pour écouter de la musique. Je pensais transformer ça avec deux Era 300, mais non, parce que j'utilise Google Home dans mon bureau et que là, je n'aurais plus Google Home. Les connecteurs en arrière, je suis prêt à vivre avec. J'aurais dû trouver un autre haut-parleur dans mon loft à connecter, parce que c'est le haut-parleur qui est dans mon bureau qui est connecté. Ça, je suis prêt à vivre avec, mais pas de Google Home, non. Autre truc que j'ai pas aimé, mais ça, c'est comme ça pour tous les haut-parleurs Sonos, mais comme ils sont un peu plus gros et qu'ils jouent un peu plus fort que, disons, un 100 ou un One, ça dérange encore plus. J'ai toujours trouvé que le volume minimum d'un système Sonos est beaucoup trop haut. Je t'explique, quand je travaille à mon bureau, j'aime ça avoir de la musique de fond, et des fois, je trouve que la musique de fond est trop forte. Donc, je finis par éteindre ma musique complètement parce que c'est trop fort, j'ai besoin de me concentrer. Je veux juste faire vraiment un petit quelque chose de fond et c'est pas possible. Le son est trop fort à mon goût. Autre problème, j'ai remarqué que ce haut-parleur-là pète. Il fait des... comme ça, de temps en temps. Et j'ai remarqué qu'il faisait seulement quand j'étais en pair stéréo. Je l'ai peut-être qu'il le fait aussi quand il est seul, mais je l'ai remarqué qu'il faisait seulement quand j'étais en pair stéréo. Des petits pets au travers de la musique. C'est quand même discret, là. Ce que je faisais, c'était quand même fort, là. C'était quand ça va selon le volume, là. Plus le volume est fort, plus ça le fait fort. Mais ouais, c'était dérangeant. Disons que c'était à 5% du volume de la musique, mais quand même, c'était là. Je passais mon temps. Au début, je me demandais, c'est quoi ça? Puis finalement, j'allais me coller l'oreille dessus, puis ça venait vraiment de ce haut-parleur-là. Ensuite, on va parler du Bluetooth. Deux points négatifs et un point plus positif. Bon, le premier, c'est que je me suis dit peut-être que je pourrais les utiliser comme haut-parleur d'ordinateur en Bluetooth. Bon, j'ai réussi à le connecter rapidement et... ça l'a planté rapidement. Ça fonctionnait, je voulais voir quelque chose, je l'ai déconnecté, j'ai essayé de le reconnecter et finalement j'ai dû débrancher le haut-parleur et le reconnecter pour que ça se remette à fonctionner. Quand je vais utiliser mon ordinateur pour travailler, la dernière chose que je veux, c'est de m'ajouter un appareil qui va me faire perdre du temps parce que
je dois gosser pour le connecter, pour le faire fonctionner. Donc là, tout de suite, je me suis dit, oh non, non, okay, je vais continuer d'essayer de le connecter juste pour le test, mais ça ne sera pas mon parleur d'ordinateur. Et ce qui nous amène au deuxième point négatif, c'est parfait. Le Bluetooth, c'est quelque chose qui est très demandé, que je lis souvent dans les commentaires sous mes vidéos de Sonos. Les gens veulent du Bluetooth et c'est bien qu'ils l'aient rajouté sur leur haut-parleur de maison. Avant, c'était seulement disponible sur les haut-parleurs portables. Mais il y a un léger délai, très léger. On parle d'un quart de seconde à peu près. Si tu écoutes de la musique, on s'en fout. Si tu écoutes une vidéo, c'est très, très, très léger, mais il est là. Et si tu fais du montage vidéo, oublie ça. Oublie ça, tu veux vraiment pas utiliser ça comme haut-parleur sur ton ordinateur. Par contre, le point positif, et ça, c'est quelque chose de nouveau, et je trouvais ça dommage, quand on utilise le Bluetooth sur le Sonos Move ou sur le Sonos Roam, on change le haut-parleur en mode Bluetooth et il se déconnecte du système. Donc, on peut l'utiliser comme haut-parleur Bluetooth, mais c'est tout. Maintenant, je pense qu'il y a moins de délai, par exemple. Ah, oh, là, il faudrait que je reteste. Désolé, je pourrais pas te le dire. Mais maintenant, si tu connectes un appareil en Bluetooth, donc si tu connectes ton téléphone sur ton Sonos Era 100 ou 300, le signal Bluetooth que tu envoies à ton haut-parleur peut se partager à tous les autres haut-parleurs de ta maison. Donc, si tu as un haut-parleur Sonos qui n'est pas compatible au Bluetooth et que tu t'ajoutes un Era 100, par exemple, eh bien, tu peux maintenant utiliser ton autre haut-parleur comme haut-parleur Bluetooth en passant par le Era 100 ou le Era 300. Et ça, c'est vraiment bien qu'il l'ait fait. Et c'est probablement pour ça qu'il y a un écart d'à peu près un quart de seconde. C'est pour qu'il crée le fameux buffer et qu'il le rende disponible à tous les haut-parleurs pour pas que ça fasse de coupure. J'ai lu sur le site de Sonos qu'il y avait une nouvelle résistance à l'humidité. Donc, ça a l'air d'être parfait pour une salle de bain. Il y a un truc dans le design du 300 que je me questionne, à savoir est-ce que c'est une bonne idée. Il y a des trous tout le tour du haut-parleur, sur le dessus. En face, c'est pas si pire. En face, c'est un peu essentiel, il faut que le son y sorte par quelque part. Mais sur le dessus, je sais pas, je me demande... C'est quand même une certaine grosseur de trou. J'ai l'impression que la poussière va finir par entrer là-dedans. Je suis pas convaincu du design. Quoique ma Sonos Arc, c'est exactement la même chose. Et je l'ai regardé, ça semble pas être un problème, puis ça fait longtemps que je l'ai. Mais bon, c'est un questionnement qui m'a passé par la tête comme ça. J'ai remarqué aussi qu'on s'était débarrassé du bouton de synchronisation. Donc avant, on avait un bouton à l'arrière avec le signe infini pour connecter le haut-parleur. On a ça sur tous les anciens haut-parleurs de Sonos. Maintenant, c'est parti. Il est plus utilisé de toute façon. Maintenant, le système de synchronisation fait en sorte que c'est le téléphone qui entend un son qui est projeté par le haut-parleur Sonos et c'est ce qui fait la synchronisation. Alors, c'est juste une remarque, c'est pas un point positif ou négatif. C'est juste une économie de quelques dollars qu'ils peuvent faire à chaque haut-parleur. Maintenant, en ce qui a trait au contrôle, ça l'a changé quand même un peu. Avant, sur les haut-parleurs, on avait un bouton Play, Pause, monter le volume, descendre le volume. On pouvait skipper à la prochaine, revenir au début de la chanson et si on le faisait rapidement, revenir à la précédente. Maintenant, on a le bouton Play, Pause, suivant précédent, au lieu de volume, et on a une barre de volume qui permet, quand on glisse, là, on entend, ça fait touc, 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 touc. Donc, c'est pas vraiment un glissoir fluide, c'est un glissoir avec plusieurs points de volume. Ça permet de monter le volume, je pourrais pas dire plus rapidement. Je suis pas convaincu que j'aime ça. C'est peut-être juste une question d'habitude, mais je trouvais que ça allait quand même vraiment très, très bien de faire ça comme ça, puis c'est quand même pas très lent. Puis avec lui, puis le volume c'est variable, ça va monter plus vite si je glisse rapidement que si je glisse lentement. C'est comme pas toujours la même chose. Et quand je suis assis à mon bureau, ça m'est arrivé quelquefois, je sais pas si c'est juste par habitude que je m'en allais monter ou quand je viens glisser,
j'accroche un bouton, puis finalement, je fais plus que monter le volume, je le mets en pause ou je skip la chanson. Ça m'est arrivé quelques fois, mais c'est peut-être juste une question d'habitude, mais je suis pas convaincu par le nouveau système de volume et de contrôle directement sur le haut-parleur. Mais quand même, il y a un système de volume et de contrôle sur le haut-parleur. C'est quelque chose que je trouve essentiel. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime Sonos. Je suis pas toujours obligé de sortir mon téléphone. Il y a un contrôle directement sur le haut-parleur. On peut maintenir le bouton play pause pour joindre les autres haut-parleurs. C'est un système qui fonctionne super bien depuis longtemps et j'adore le fait que j'ai pas besoin de sortir mon téléphone pour contrôler le système localement. On m'a demandé de tester les haut-parleurs comme arrière. Dans mon salon, j'ai deux colonnes de son Paradigm Première 800F qui sont branchées sur un Sonos Amp. J'ai plus de Sonos Arc, je me suis payé la traite avec ces haut-parleurs-là et je les adore. Je viens d'essayer d'écouter une émission sur Netflix avec ces haut-parleurs-là arrière et ça n'a pas fait grand-chose. Ça l'a pas ajouté vraiment une présence. Peut-être que j'ai pas écouté la bonne émission pour qu'il y en ait. Il y avait une scène où est-ce qu'il y avait une fusillade et là, je suis pas un tripeur de haut-parleur en arrière, mais vraiment pas. Et je pense qu'à chaque fois que j'ai testé, c'est un peu ça que j'ai vécu. Quand dans la scène de fusillade, une fois de temps en temps, que là j'ai entendu des balles à gauche et à droite, et mon réflexe, peut-être parce que j'en ai pas d'habitude, ça a été qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là? Puis finalement, je comprends pas le trip d'avoir des haut-parleurs en arrière. Mais bref, ça l'a pas changé grand-chose, à part que je me suis questionné à 3-4 reprises à savoir qu'est-ce qui se passait à côté de ma tête. Bon, pour les haut-parleurs Sonos Era 300, tu vas peut-être être déçu, à moins que tu aies une Sonos Arc ou une des barres de dernière génération, mais j'ai pas pu les jumeler à mon Sonos Amp. Donc, de ce que je réalise, c'est que si tu achètes des haut-parleurs Era 300 et que tu veux les utiliser comme arrière, tu dois absolument avoir une barre de son de Sonos qui est compatible à Dolby Atmos. Si ta barre n'est pas Dolby Atmos, oublie ça, tu pourras pas les utiliser comme arrière. C'est un peu poche. Ça aurait été le fun qu'ils puissent se jumeler et ne pas être Dolby Atmos plutôt que de ne pas pouvoir se jumeler du tout. Donc là, si j'avais voulu les tester comme arrière, il aurait fallu que j'utilise la Sonos Arc au lieu de mes belles grosses colonnes. Et quand je te dis que je suis pas un tripeux de Dolby Atmos, là, je vois vraiment pas ça pourrait être quoi l'intérêt d'utiliser une barre de son qui joue beaucoup moins bien que mes belles grosses colonnes pour profiter du Atmos. Tu sais, quand je te disais que j'étais pas un tripeux d'Atmos, là, mes colonnes ne sont pas Dolby Atmos, mais ils jouent tellement, mais tellement mieux que la Sonos Arc. Tu vois que c'est pas le Dolby Atmos qui fait que ton expérience d'écoute est incroyable. C'est avant tout la qualité de ton haut-parleur. Bon, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Si tu prends un Sonos Era 300 et que tu le mets en plein milieu d'une pièce, ça te donne du son dans toutes les directions. Les haut-parleurs sur le dessus font une grosse différence pour bien diriger ton son. Par contre, quand j'ai fait mes tests, si je prenais un... Il est lourd celui-là. Un Sonos 5. Si lui, on le met au bout de la pièce, puis lui, on le met à côté, le Sonos 5 joue tellement, mais tellement mieux. Ben, je suis rendu en arrière. Je devrais peut-être te replacer ça un peu autrement. Voilà. Donc, dépendamment de ce que tu veux faire, je me dirais, si tu as un haut-parleur à acheter et que tu veux le mettre en plein centre d'une pièce, le 300 peut être une bonne option, mais j'essaierais quand même de placer un Sonos 5 dans le coin d'une pièce ou un endroit où est-ce qu'il va pouvoir projeter partout. La qualité de son du Sonos 5 est nettement supérieure à celle du Era 300. Et si réellement tu veux avoir l'impression d'avoir du son autour de la tête, rends
deux Sonos 5. Je sais, ils sont pas donnés, mais prends deux Sonos 5 et tu vas avoir quelque chose de vraiment très, très bien. Et si tu veux aller encore une coche au-dessus, ajoute-toi un sub avec tes deux Sonos 5. Tu vas avoir de quoi de vraiment excellent. Je sais pas pourquoi je compare ces deux haut-parleurs-là. C'est peut-être juste parce que je comprends pas trop où est-ce qu'il va se placer, celui-là. Est-ce que c'est un remplacement de l'ancien Sonos 3? Comment il s'appelait? Le Play 3, qui n'existe plus depuis longtemps. Est-ce que c'est un remplacement de celui-là? Peut-être, oui, il est dans son format environ. Mais oui, c'est comme le plus, c'est comme le haut-parleur le plus proche. Le Sonos 5 est un peu plus cher. Je parlerai pas de prix parce que les prix vont varier au travers le temps, mais il y a des liens dans la description. Tu peux aller les suivre pour aller consulter les prix ou pour les acheter. D'ailleurs, je fais une commission quand tu passes par ces liens-là. Alors, si tu les utilises, merci. Mais pour la différence de prix qu'il y a, elle n'est pas si petite que ça, mais j'irais vraiment mettre un peu plus d'argent pour avoir un Sonos 5. Et maintenant, on va comparer deux haut-parleurs qui sont beaucoup plus près. Le Sonos One et le Sonos Era 100. Sonos Era 100 feel vraiment comme une version améliorée du Sonos One, à l'exception qu'il n'y a pas de Sonos Net, de port Ethernet en arrière, qu'il n'y a pas Google Home. Mais à part ça, ça feel vraiment comme une version améliorée et il joue vraiment mieux que le Sonos One. Il joue bien le Sonos One. Mais le Sonos Era 100 joue vraiment mieux et la différence de prix entre les deux est pas si énorme que ça. Je te dirais que j'hésite à vendre mon Sonos One pour garder le 249, mais ce qui me fait vraiment chicoter à savoir est-ce que je le garde ou pas, c'est réellement le fameux Sonos Net et le Google Home. Donc je perdrais mon Google Home et je perdrais probablement aussi en termes de fiabilité par rapport à la connexion à mon réseau. Donc je suis pas certain. Mais il joue réellement mieux. T'as en bonus aussi la connexion Bluetooth si c'est quelque chose d'important pour toi. Et maintenant, si on retourne parler du Era 100 ou le Era 300, si t'as un choix à faire entre deux, définitivement, j'aimerais mieux acheter deux Sonos Era 100 qu'un Sonos Era 300. Ça te revient un petit peu plus cher d'acheter deux Sonos Era 100 qu'un 300, mais ça va te donner l'opportunité de faire deux choses. Soit d'avoir de la musique dans plus de pièces, ou d'avoir un son plus enveloppant dans une pièce. Quand même, le Era 100, l'expérience que j'ai eue avec, c'était un haut-parleur qui est très bien. Le 300, je le comprends juste pas. Je le comprends pas. Donc voilà. Hey, j'espère que ça va t'avoir aidé à faire un choix parmi ces nouveaux haut-parleurs-là chez Sonos. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Écris-moi dans les commentaires. Cherche-moi pas ailleurs. Écris-moi dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Je réponds à presque tous les jours. Et oublie pas, si jamais t'en veux un, tu peux passer par les liens dans la description. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Salut!